comme le mentionnait Jim Morrison, merci. Errance Rinaldienne, je connaissais, moi, les amis chiens, chiens-chatons. Non, non, moi, c'est des petits chiens. Ben, c'est des chatons, ben voyons, c'est des chiots. Comme le mentionnait Jim Morrison, qui n'était pas un chiot ni un chieux, c'est un poète. Les poètes ont toujours... Comment c'est? Les poètes ont toujours raison, voilà. C'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie, et je répète, parce que le texte a été malheureusement intercepté par d'autres compréhensions ou complexités narratives. Comme le mentionnait, je le dis, comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rinaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Et là, on va entrer. Il faut frapper. Monsieur Buck? Monsieur Buck? Pouvons-nous nous lancer nous-mêmes? Merci. L'autre soir, je me suis retrouvé dans un concert. D'habitude, je déteste ça. Mais là, au Cercle, à Québec, à ce moment-là, une fille qui venait de fumer. Et pendant le spectacle, s'est volatilisée. En fait, c'est pas elle qui s'est volatilisée. C'est son vêtement. Sa poitrine était présente devant mes yeux. Elle avait mis deux rubans adhésifs sur les mamelons, viens me servir la boîte. Elle était là, mais derrière le petit collant. Le petit collant noir, d'électricité. Là, je me suis dit que si on met d'électricité, hein, un collant d'électricité, c'est qu'elle est flamboyante. Elle amène la capacité à produire du feu à travers C'est mon opinion et je la respecte, Mme Thibodeau. Ben oui, mais t'as le droit de respecter. Y a personne qui le fait. Y a personne qui me respecte. Pas vraiment. Y a Tiki Baudouin. Oui, qu'est-ce qu'il y a eu, lui? Ben, il l'a rencontré. Pas la fille. Oui, la réglementation était ouverte, puis c'était open dance, open French, open bar. OK. Et Rebecca était là. What was it all? I wait, want to love. Tout le monde applaudissait à l'envers, puis les gens crachaient leur connaissance générale. La culture! Et c'était incroyable. L'anarchie au Cercle était présente. J'étais heureux. Je me suis dit, enfin, il y a un défoulement qui s'installe. Mais là, qui s'installe. Il y avait deux musiciens, la chanteuse, le musicien, puis il y avait Abdullah the Butcher, le poilu. Là, je dis, il y avait moins de poils quand je l'ai rencontré. Puis là, avec des tattoos, c'était plus gros. La lumière est flamboyante. Là, ils m'ont dit, monte sur le stage, man! Je sais pas moi. Moi, c'est Rénal. C'est pas monte sur le stage, man. C'est le gars en arrière de moi. Mais le gars en arrière de moi me pousse sur la scène. Quand je me sens sur une scène, mais quand je me retrouve sur une scène avec un micro, il n'y a que l'œuvre de Jacques Brel qui m'arrive à la bouche. Et là, il dit, non mais qui te parle? Le public tirait des pruneaux. Tu peux s'en aller, oui, je vais m'en aller. Ben ouais, va-t'en, pouilleux, va-t'en! J'ai eu un succès bœuf. CKRL. Cultive tes goûts.